Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous entrons sur cette toute nouvelle gameplay vrac qui sera sur le thème de Battlefield 5 qui était sorti, enfin qui est sorti du coup il y a pas très longtemps. C'est un jeu qui est sorti, je crois, en novembre ou octobre. Octobre 2018. J'ai un petit peu l'avant roué. Ça c'est l'hiver. Donc rappelez-vous, hein, j'avais déjà fait une vidéo présentation de Battlefield 1, une gameplay vrac aussi il n'y a pas si longtemps que ça sur Battlefield 1, qui est vraiment un jeu que j'ai quand même pas mal à toi, que j'ai pas mal torché, oui, la campagne, c'est vrai que je suis pas très multijoueur, et donc du coup, j'ai commencé Battlefield 5, quoi, il y a début d'année, j'ai fait que deux campagnes, c'est vrai que je joue pas souvent. Donc, y a une mission que j'ai pas mal aimée. Du coup, là, j'ai fait la campagne du Tirailleur et Nordlys. Il me reste sous aucun drapeau le dernier tigre, The Last Tiger, hein, qui est quand même plus stylé en version anglaise. Et bien sûr, Appel de Patrick et le prologue, comme dans Battlefield 1. En fait, la campagne se coupe un peu comme dans Battlefield 1. En fait, c'est le récit de guerre. Qui est une approche que moi personnellement c'est pas ce que je préfère, mais bon, ça existe. Du coup, c'est parti pour du Battlefield 5. Du coup, on va se faire du Nordlys et on va se faire la dernière mission qui est plutôt pas mal puisque c'est en terrain enneigé. Voilà, du coup elle manque de maturité, mais elle est plus douée qu'elle ne le croit. Solveig doit empêcher, et je ne parle pas de Martin Solveig, doit empêcher les cargaisons d'eau lourde de quitter le Fjlorg. Donc là le jeu se passe en Norvège. Du coup, c'est parti. Mais vous recommencez depuis le début. Vous allez perdre toute pression à tuer dans cet épisode. Oui, on recommence. Oui, c'est parti, oui. On va se mettre en normal, et c'est parti pour du Battlefield 5. Som du kan se i de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. J'avais oublié qu'elle avait le doublage norvégien. Voilà. Ok, ah, c'est vrai qu'on fait du ski. Ah, voilà. Donc, on va jouer un peu au bronzé fond du ski. Ça fait toujours plaisir, une petite balade en ski. Yallo! Ça me rappelle un peu SSX, pour ceux qui ont connu SSX. Parce que maintenant, c'est vrai que c'est une série qui est un peu morte, SSX. Mais qui est une série quand même très bien. Et là, on peut freiner
Et je crois qu'avec W ou avec T, je crois qu'on peut. Voilà, c'est ça. Ok, c'est ça. C'est avec T. Donc j'ai pas oublié non plus. Parce que ça fait plus d'un mois que j'y ai pas touché, hein, Battlefield 5. Parce qu'en fait, il y a plein de jeux hein, qu'il faudrait que je finisse, mais que je ne finis pas par manque de temps. Il y a du coup ce Battlefield. Il y a quoi d'autre aussi? Il y a Assassin's Creed Odyssey aussi, il faudrait que je finisse. Il faudrait que je finisse. Pour vous dire, le seul jeu l'année passée que j'ai réussi à finir par, parce que j'avais du temps, c'était en début d'année, c'était Far Cry 5. D'ailleurs, j'attends énormément le Far Cry New Dawn, qui s'annonce être, à ma foi, correct, mais qui, je pense, ne sera pas aussi bon que un comment ça s'appelle, qu'un Far Cry 3 Blood Dragon. Du coup, je ne sais pas du tout où je vais. C'est super, on va là-bas. Ah, on va aller se taper un peu de l'alboche. Ça fait plaisir. C'est quoi, on va y aller au ski, hein. Voilà, c'est les bronzés. Voilà, on va y aller au ski. YOLO. YOLO, comme dirait grand-père, non, grand-père Solveig. C'est parti. Alors, je crois B. Je crois que B, ouais, c'est pour. Ah, ok, c'est A, c'est A. Bordel, ça fait un bail, j'ai pas touché. Zoom, d'accord, ok, on fait comme ça déjà pour zoomer. Bon, on a un petit camp rempli d'Allemands normalement. Voilà, du coup, il y a un médic là-bas. Oui, parce que je crois que c'est dans ce Battlefield où ils ont commencé dans la campagne avec des spécifications pour certains Allemands. Dans Battlefield 5, dans Battlefield 5, dans Battlefield 1, je crois pas qu'il y avait ça. Putain, Battlefield 1, ça fait encore plus longtemps que j'y ai pas touché. En tout cas, déjà, on peut constater quand même que le jeu, bon, autant vous dire qu'il est quand même, il est quand même très très beau, hein. Voilà, quoi. Même si c'est vrai que pour y jouer dans de bonnes conditions, il faut les nouvelles cartes graphiques, les RTX. Mais bon, qu'on n'a pas trop un salaire à foutre en l'air dans des cartes graphiques. Mais franchement, il se laisse jouer hein, avec ma carte graphique. Je crois qu'on peut rentrer, je crois qu'on peut passer par là-bas. Je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois qu'on peut passer. Hein. Je crois qu'on peut passer à l'intérieur. Ça m'étonnerait, mais. Non, en fait, non, je crois que. On va y aller comme ça. Hein. On peut pas monter. Ah si, je crois qu'on peut monter. Non, on peut pas monter. Attends, il y a forcément moyen. Ah non, on peut pas monter. On peut pas monter. On va devoir y aller à la one again. Surtout qu'en plus j'ai pas de pistolet, rien. J'ai direct l'MP40. Donc c'est parti. On pourrait faire du ski ici, hein. C'est vrai que c'est un peu. Franchement, vous savez quoi, on va faire un peu de ski. Allez, c'est parti. Allez. Franchement. Allez, on va essayer de se prendre le joli petit saut. Voilà. On m'a pas repéré quand même. Non, je pense pas. Les Allemands sont pas aussi omniscients quand même, faut pas déconner. On parle quand même d'un jeu Electronic Arts. Alors. Là, mais là, il y a tellement moyen de faire mal avec les tonneaux. C'est quoi, on va essayer de faire mal avec les tonneaux. Parce que. Les Allemands peuvent faire très mal. Y a pas un petit fusil sniper? Ah si, un petit fusil. Non, 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 laisse-moi descendre. Non, ah mais laisse-moi aller prendre l'arme, s'il te plaît. Ah, c'est beau ça. C'est beau. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là. Mon Dieu. Par contre, ouais, du coup, là, il faut remonter. Et là, on va aller défoncer de l'allemand. Voilà. On va défoncer de l'allemand. Point survie. Puis les points survie, vous tenez des zones. D'accord, sauf que moi, je m'en fous, en fait. Moi je suis petit-fils à Rambo. Moi j'y vais. Voilà. Une petite explosion, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir au moral. Tôt le matin, plus il fait froid. Là je crois qu'on peut pas descendre par là quand même. Je suis pas non plus Assassin's Creed. Toi par contre je t'ai vu en bas. Bon, par contre, je prends cher quand même, hein.
Faire attention. Sainte mère de Dieu. Déjà que je suis pas non plus une bête à Battlefield, hein, il faut le reconnaître. Pourtant c'est des jeux que j'aime bien, hein, mais je suis très très fort. What? Non mais s'il vous plaît. Je suis... Mais... What? Oh la vache, mon dieu. What? What? Oh mon dieu! Mais s'il vous plaît, mais laissez-moi sortir de là. Putain, j'ai plus de balles. Allez, remonte ta vie là parce que. J'ai plus de balles. Putain, j'ai plus de balles. Sa mère, la concierge! Solveig Fia, Fia Bjorsnar. Elle est morte jeune. Au moins, elle est morte, elle faisait du ski. Voilà. Oh là là. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais on va essayer de se farcir quand même ce camp. C'est parti. Allez, hop. Comme dirait une philosophe française, je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok? Voilà. D'ailleurs, ça sera le sujet de bac 2019. Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Écrivez 10 pages, merci. Voilà, du coup. Ah, bon. Ok, c'est cool, j'ai gardé l'arme. C'est cool. Bon, on va essayer d'y aller. On va essayer d'y aller un petit peu en mode assassin. Bon, ça va. Bon, personne ne m'a vu. Oh, c'est beau, ça. C'est beau. Allez, go. Là, c'est bien, il n'y a aucun Allemand. Mais ils sont où? Bah, ils sont où tous les Allemands? Bah, ils sont partis faire la fête, c'est quoi le délire là? Pourquoi il n'y a plus aucun Allemand? Bah, quand même. Vous allez me dire qu'Electronic Arts aurait quand même oublié de lui faire repopper. Non, même pas. Oh, je bâche Electronic Arts, hein, mais avec le coup d'anthème quand même, hein, ça fait. Le petit bah ouais mais pourquoi il y a plus personne là? Bah pourquoi il y a plus personne? Putain. Il y a plus personne là dans la zone. On peut utiliser aussi les canons, ça c'est cool. Ouais mais ça c'est pour ceux qui veulent trop se la jouer Rambo ça. C'est quoi, on va essayer de prendre un véhicule. On peut pas prendre de véhicule, on peut pas prendre ce véhicule là. C'est dommage. Par contre, on peut prendre ça. Voilà, on peut utiliser ça et ça, on peut tout faire péter. Et là, on peut tout faire péter. Voilà. On va essayer. C'est bon, on va essayer. J'ai toujours essayé. Est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas pété le truc. Hein. Enfin bref, bon, de toute façon. J'ai des missions à accomplir, quand même. Pas non plus que j'oublie. Y a plus personne dans la zone. C'est violent quand même. Je sais pas si je l'ai vraiment libéré. On va dire que oui. Ah oui, mais oui, c'est vrai que ça c'est un défaut de Battlefield. Quand t'es tout seul, et ben, faut bien que tu te mettes en mode. Voilà. Du coup, c'est parti. Je crois qu'on peut passer. Voilà. Parfait. Vive les galets de saucisse. Voilà, je toujours conduit comme une merde dans Battlefield, hein, ça change pas. Depuis 1942, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. Enfin, il y a plus de 10 ans, hein, même. Hein, ça va vers ses 20 ans. Et ben, j'ai toujours conduit comme une merde. Voilà, c'est comme ça. Je suis un très mauvais conducteur. Encore dans Battlefield 1, avec les chevaux, c'était quand même plus simple. What? Ah, mais il y a des Allemands ici! Putain, y'a des Allemands! Y'a des Allemoches! Y'a des. Oh! Putain, c'est 7 à la maison version allemand, quoi. S'il vous plaît. Protégez-moi. C'est bon? Y'a plus aucun Allemand? Ouais, c'est bon, y'a plus aucun Allemand.
Ça y est. C'est bien, on récupère des balles. Filez-moi des balles, c'est cool. On va essayer de... d'y aller. Ah, là-bas. Là-bas, c'est une place forte. Et là-bas, je crois qu'il y a pas mal. Il y a même une alarme, d'ailleurs, à débrancher. C'est parti. On y va à pied, parce que les véhicules, hein, c'est... C'est le même marqué sur leur plan. Je dois localiser le poste de police. Dans la pause, tu trouveras pas beaucoup de policiers. Enfin, du moins, des policiers norvégiens. Des policiers allemands, ok, à la limite. Ok, je sais que là, il y a plein d'allemands. Mais, et ça, putain, je me rappelle quand je l'avais fait, putain, j'étais allé un peu à la Hitman, le truc, hein. C'est-à-dire que quand je me cachais, je prenais des fusils, des machins. J'y allais en mode couvert. Là, franchement. What? Je crois qu'il y avait un Allemand qui m'a entendu. What? Je suis désolé. On m'a lancé un petit caillou. Ah mon Dieu. Mon Dieu. Le pauvre, il pourra dire ça à ses enfants. On m'a lancé un caillou en Norvège. Le caillou était tellement froid, ça m'a fait froid dans le dos. Exactement. C'est ce jour-là. Au moins, ce qui est bien, c'est que dans ce Battlefield, il faut lui reconnaître des qualités. Hein. Bah, ce battle... Ah! Non! Oh! Ah, je vais mourir! Oh, bah, je suis mort. Ah, je suis rentré dans l'Allemand. Voilà, putain. Moi, je suis mort. Deuxième fois que je meurs, quand même. C'est chaud. Bon, allez, c'est parti. Ok, du coup, il y a pas mal d'Allemands. Ok, règle numéro 1. Quand il y a beaucoup d'Allemands, il faut utiliser beaucoup d'armes. Oui, alors du coup, ce que je disais, oui, c'est que du coup, au moins, il y a une qualité dans ce Battlefield. C'est qu'au moins, on n'est pas surchargé en munitions. C'est une qualité, parce que bon, je me rappelle quand même dans Battlefield 1, bon, on avait quand même pas mal de. On avait quand même pas mal de balles, hein, quand même. Hein. Oula, un joli petit bug. Je crois que c'est Martin Solveig hein, qui chantait No Stress. Je sais plus. What? On m'a vu. On m'a vu, putain. Ok. Ça, c'est la joue Rumble là, quand même. Attention. Attention. C'est quoi? Par contre, la miniature du bas, quand même, quand on est accroupi, franchement, Electronic Arts, on sait pas ce qu'ils sont allés voir avant. Je sais pas si vous avez fait attention, mais c'est louche, quand même. Je pense que chez Electronic Arts, il y a des petits coquinous. Ok, il y a plein de camions là. What? Bouffe! Bouffe, chalope! Oh mon Dieu, il y a plein d'Allemands, on dirait une convention d'Allemands là. Mon Dieu, il y a plein d'Allemands. La MP40 est quand même une très très bonne arme, il faut la reconnaître. What? Oh non! Non! Oh les fusils, mais... Ah les fusils de trou du cul quoi, sérieux quoi. Oh les fusils, mais s'il vous plaît. Voilà, brûle tout. On va faire attention. C'est sûrement des Allemands. Allez, mange.
Oh là 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 là. Mon Dieu. Ah, ce fusil est pas mal. Ce fusil, parce qu'il me faut un fusil à longue portée. Du coup, ce fusil est très très bien. Là, ouais, ça c'est une arme. Qui d'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, c'était dans Battlefield 1942, l'arsenal secret. Oh! Mais qu'il est con! Putain que je suis con! Mais que je suis con! Je suis dans la merde et je tire sur un camion avec 300 Allemands dedans, mais que je suis con! Ah bah bien sûr, un lance-flammes, forcément. Hein. Ouais. T'es con. T'es dans la merde et tu vas la chercher en plus, mais que t'es con. Ah, les lance-flammes, hein, qui est une très bonne invention dans Battlefield 1. What? Ah non, putain, il y en a deux! Ah merde, mais je suis pas dans la merde. Putain, crève. Putain, j'ai déjà plus de balles. Wow. Quelqu'un a fait un gros pay ici. Bon, par contre, j'ai plus de balles. Bon, par contre, au moins, une grande qualité quand même de ce Battlefield, c'est qu'on ramasse très vite des balles. Toi, meurs. Toi, le mec, t'étais caché dans le camion, là. Petit coquinou, va. Petit coquin, va. Mais là, lui, c'est, ça devait être l'allemand le plus intelligent de tous les allemands de l'univers entier. Allez, c'est parti. Allez, on va retenter notre chance. Merde. Pourquoi ça veut pas reculer, là? Bon, c'est pas grave. Au pire, on y va. Ah, merde. Allez, moi je dis Battlefield 6, le Vietnam. Franchement, ça serait cool d'aller se fighter contre des Viettes. Allez, c'est parti. La conduite, un peu comme dans Far Cry, hein. Allez, c'est parti. Et ils m'ont plus qu'une petite radio. Franchement, c'est pas mal, hein. Accident! Bah, j'ai pas compris. Putain, putain, que je suis con, quoi. La troisième fois que je meurs, quoi. Heureusement que j'ai 9 vies comme les chats. Hein. Au moins, le pont a été détruit. Non, ça peut me dire. Je suis quand même. Je l'ai réussi, quand même, cette mission. Ça va pas me dire qu'il faut que je la recommence. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Putain, non, il faut que j'aille où? Faut que j'aille où, maintenant? Enfin, repérer la place forte des envies. Non, tu vas pas me dire qu'il faut que je la refasse. Tu vas pas me dire ça. Me dis pas ça. J'ai trop été con en fait sur ce coup-là. Non, quand même pas. On va y voir. Si la pale allemande du caillou, c'est-à-dire que j'aurais pas besoin de la refaire. S'il est là, ben, je vais la refaire. Voilà. Mais je pense pas quand même. Ouais, quand même. Ils sont pas salauds à ce point-là quand même. Parce que putain, des fois tu meurs, tu te dis s'il te plaît, j'ai pas envie de tout recommencer, bah tu recommences tout. Bon, on va se prendre un petit camion. La prochaine fois avec numéro 6 de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a un camion en face de toi, dans un pont qui peut en contenir que un, et ben tu laisses passer le camion. Même si c'est un camion allemand. Allez, c'est parti. Allez. Tirer avec mon arme. Non, c'est bon, il m'a pas vu le camion, il m'a pas vu. Voilà. Repérer la place, les places fortes des envahisseurs. Allez, c'est parti. Bon, on va repasser au niveau du pont. On va bien sûr entendre les Allemands. Voilà. Moi aussi, je vous aime. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, le pont est destructible, hein, ça c'est bien. Comparé à d'autres jeux sortis la même année, hein. Par exemple un jeu de chez Bethesda. Allez, c'est parti. Oh, mais au final je conduis bien quand même, hein. Ah, le port. Ah, le port, oui, je me rappelle du port. C'était le port, quoi. Enfin, c'était le port.
C'était le port, quoi. Un port bien chiant. C'était le port. On va essayer de survivre. On va essayer de survivre. Par contre, bien sûr, ils m'ont pas gardé mon arme. C'est pas trop grave. Je leur en veux pas. Du coup. Je sais qu'il y a une entrée par là-bas. Voilà. On va y aller tout doucement. On va y aller tout doucement. On se croirait, par contre, là, par contre, on se croirait pas en Norvège. À la limite, je me dis, bon. Pourquoi pas la France? Quoi, j'ai été repéré? Mais en aucun cas. Mais en aucun cas, j'ai été repéré. Bande de déchets. Et d'où le mec, il met... Putain, mais d'où? Je suis déjà en rouge. Non mais d'où? Ah, il est là-bas! Merde, je vais mourir. J'envoie une fusée. Non mais s'il vous plaît, détruisez pas ma barricade. Je sais que le jeu est réaliste, mais quand même. Vous savez que trop de réaliste, ça tue le jeu. Hashtag Far Cry 2. Allez, mange. Merde, merde. Ah, mais t'es pas mort, toi? Non, mais si, t'es mort, quand même. Bon, t'es Rambo du côté allemand, toi. C'est pas possible. J'ai plus de balles, forcément. Hein, Battlefield 5. Le jeu où t'as moins de balles que dans Resident Evil. Mais sinon, le jeu, en vrai, il est quand même bien. Ma foi, il est quand même bien. Oh, mon dieu, je prends cher. Oh mon dieu, je prends cher, je prends tellement cher. C'est quand même bise, c'est quand même glauque ce que je dis alors que je suis une femme. Enfin, j'incarne une femme, c'est quand même... La pauvre, elle prend cher. Non mais, j'ai plus de balles quoi, déjà, tu vois, tu fous de ma gueule. Bordel, j'ai qu'une seule balle. Non. Je vais mourir, putain. Non mais mec, mais c'est moi qui ai pas géré mes balles. C'est sûrement ça, mais je pensais pas qu'on était... Autant on aura deux balles qu'à ce point quand même. What the f... S'il vous plaît, me délogez pas. Ah bah bien sûr, je suis con, j'ai gaspillé une balle. Pire en cours. Non! Non! Ah mon dieu! Mon dieu! Non, 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 non. Cours, cours plus loin que tu peux, petite fille. Cours loin de ces vilains allemands. Cours. Cours, je sais qu'il y a une... des armes là-bas. Cours. Oula. Ah. Ah. Mon dieu. Mon dieu. Ah. Non. Ah. Allez, mange. Allez, allez, ah mais bordel! Allez, mange. Qu'est-ce qu'il a fait là? Le mec, il a implosé, telle une fusée. Vous savez quoi? Voilà, on va se prendre un petit sniper. On va se prendre un petit sniper. Non-scope, un petit non-scope, ça fait toujours plaisir. Oh. Bon. C'est quoi, récupère ton arme, je sens que... Ah si, je serais mort à cause de ça. Ah mais je crois que je serais devenu... Oh. Bordel, je suis tellement nul au sniper, bordel. Ok, là encore ça va. Ça va, je m'en sors plutôt bien. Ça d'ailleurs, j'ai jamais compris les gens qui disent je suis nul au sniper, mais par contre dans ce jeu là ça passe. Ça passe. Je sais pas, c'est comme si dans la vraie vie on disait
Ah, je suis nul au sniper, mais avec ce sniper là, ben ça va. C'est quoi ça? Oh, petit Panzerfaust. Oh, petit Panzer Shrek. Oh là là. Oh, le prochain Allemand que je vois, il va aller en Floride. Moi, je vous le dis. Oh! Je vais mourir! Ah non, ah si je meurs, mais je crois que je. Ah, je deviens. Inspecteur des impôts. What? Mais s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, il y a l'armée allemande en fait qui a déménagé en Norvège. C'est pas possible. Ah, s'il te plaît. Bordel, oh mais l'armée allemande en fait elle a déménagé en Norvège, c'est pas possible. Ils se sont dit on va aller se faire un petit kiff en Norvège. La Norvège c'est beau, il fait pas chaud. Oh là franchement c'est cool. Oh non-scope. Oh dommage. Non-scope. Putain, le mec il est pas mort, le mec il s'est pris une balle de sniper en pleine gueule, il est pas mort. Là quand même. Il a plus d'allemands là dans la zone. Bordel, je suis tellement nul quoi au sniper. C'est impressionnant. Même si là avant de vous dire, mais de toute façon c'est nul au FS tout court hein, quand même. Voilà, hein. Mais non. En vrai, je suis pas si mauvais que ça dans les FPS. En fait, ça dépend quel genre de FPS. Moi, j'aime bien les FPS à la Battlefield parce que je trouve que c'est. Selon moi, c'est peut-être l'un des. Comment on appelle ça? C'est l'un des gameplays, je trouve, les mieux finis pour les FPS. Voilà, c'est vraiment tout con. Ah merde, putain. Ah oui, j'ai oublié de détruire le truc. Putain, que je suis con. Et en plus, je crois plus que j'ai de. J'ai pas non plus, j'ai plus de lance-roquettes. Au pire, c'est pas grave, on va y aller à la TNT. On va y aller à la TNT, il faut que je trouve le truc. Ok, c'est ça. Non mais oui, mais continue à avancer. Voilà. Alors, que je m'en rappelle. Voilà. Voilà. Voilà, ça comme ça c'est fait. Et du coup moi, je vais aller défoncer l'autre. C'est parti. N'empêche, en vrai ça doit être beau la Norvège. Je suis jamais allé mais ça doit être beau la Norvège. La Norvège. Avec le saumon de Norvège. Ah le saumon fumé de Norvège. Oh là 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 là. Oh, ah ça l'hiver, putain ça y passe. Ça c'est bien ça. On récupère. Ah mais le saumon de Norvège, putain c'est où? Ah d'accord, ok c'est là. D'accord. Ok, j'avais oublié. Ah d'accord, ok. Ok, voilà on va faire. Voilà. Et là on va s'éloigner avant de lancer le truc parce que sinon ça va. Allez, c'est parti. Là par contre il y a de l'allemand. C'est tout. C'est tout. Ouais, bah je crois que c'est tout. Là, du coup, faut que j'aille où? Ah là. Faut que j'aille. Ah. Ok. Faut que j'aille là-bas.
Nous arrivons dans ce petit bunker. Allez, c'est parti. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, je prends plein le cul. J'en prends plein le cul. Allez, c'est parti, on va passer par là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà quand même pas mal de temps, même si bon, l'émission n'est pas finie. Là. Allez, c'est parti. Et là, faut que j'aille par là. Allez, c'est parti. Et donc voilà, du coup, je vais m'arrêter là pour cette gameplay vrac numéro 11 qui aura été du coup sur Battlefield 5. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à la prochaine!